tout le temps fatigué, constant fatigué, c'est en anglais, tout le temps fatigué, et tout le temps fatigué, la persister, tout le temps fatigué, mois par mois, toujours fatigué, est-ce que c'est allé que, soit que vous avez la fièvre, blanc noir pamphlet, ou bien douleur, ou bien trop, ça veut dire trop, faire mal, et tout en tous, ça veut dire envie de boire en pile. S'il vous plaît, je suis vous avez un docteur, faites docteur checker. Vous connaissez même ça, moi, un patient qui vient à peu près tout le temps la fatigué, qu'on a fait mal, il n'est pas qu'à travailler bien, chaque fois le travail, il est toujours en retard, au pareil. Et pour dire patient ça, il y a un problème. Vous supposez un cas docteur pour faire docteur évaluer. Surtout que si vous avez un problème, ça, vous pensez que vous n'êtes pas anémique. Regardez, mettez sur quoi le cas docteur pour voir que ce n'est pas anémique ou anémique. Si vous n'avez pas des chroniques, fatigue syndrome ou bien UP flu, on a des noms pour lui en anglais, le UP flu. On a vu une chose après, si vous n'avez pas fait sucre. Si vous n'avez pas des Eastern Bavarous syndrome, on a quand même parlé, on a un bel programme sur chronique fatigue syndrome avec Epstein Bavarous, on a parlé sur ça. Si vous n'avez pas eu le sang en anglais, hypoglycémie. Si vous n'avez pas eu de problème, si vous n'avez pas eu le hypothyroïdisme. Ou bien si vous n'avez pas eu le mononucléosis. Ou bien si vous n'avez pas eu le yeast systemic yeast infection. Ou bien l'autre nom pour lui, ou le candidat si vous n'avez pas eu une fungus infection candidat que nous-mêmes en naturel n'attachons un paquet d'importance à candidat parce que candidat doit causer un paquet de problèmes. Et si vous-même qui dehors, vous attendez ou bien vous regardez ma soeur, que vous avez une sévère fatigue, ça veut dire tout le temps fatigué, confort mal, tout le temps vous sentez malade, ou le docteur va raconter qui vous avez, prenez un petit moment ensemble avec vous pour répondre à la question que vous avez posée. Est-ce que pendant 6 mois, de là 6 mois, vous n'avez pas aucun surgery, vous n'avez pas aucune maladie? On pas gagner aucun injury, ça veut dire pas de aucun accident, pas aucun accident, pas de trauma. Ou bien que au fond que ce font tout monde. Then, on doit penser que then gain doit se fatigue qu'à faire ça. Ou tout dernièrement là, si pas non on a un stressful ou bien griffe, grand monde qui mourit. Ou stress. Strong emotional, ça veut dire au fond saisissement. Ça, ça doit causer fatigue tout. Ou bien, si vous n'avez pas de médicaments, et puis tout d'un coup, le docteur a changé le médicament, on a dit au monde, médicament, bon, pire, ça effet. Alors, quand le docteur fait le docteur évalue, ça, ça doit causer fatigue. Par exemple, antihistamine, tranquilliseur, dépressant, médicament, ça doit causer fatigue. Ou bien, si vous dormez, j'en dis qu'on dormit ou dormit différemment. Parce que si vous dormez 6 à 8 heures de temps par jour, à vrai, c'est OK. Mais si vous dormez plus que 6 heures de temps, ou bien plus que 8 heures de temps par jour, si vous dormez trop, ça a une cause ou un mental, ou bien physical, léthargie. Ça veut dire que vous avez senti ou tard, tout le temps fatigué, ou lazy, ou pas quand même être rien. Ça a une cause de fatigue tout. Ou bien si vous êtes exposé à solvant, chemical, par exemple, pesticides. Spray, par exemple, il y a des gens qui appellent des sprays, même spray en bas bras ou bien spray kaila. Bah, ça est au sol, bah, ça va causer fatigue. On a fait allergie avec son balconé. Il y a ça toxique chemical qui doit causer fatigue tout. Par exemple, sur une lost interest of pleasure. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre plaisir avec madame, vous ne pouvez pas mettre temps, vous ne pouvez pas faire sous ça, vous ne pouvez pas faire sous ça. Nous, là, nous sommes capables, nous avons envie de faire un bail, nous ne pouvons pas sous ça. Ça, il doit causer, il doit être fatigué qui fait ça. Que ou vin pas quand mettre madame moyen ou bien madame pas mettre ça arrive pas même madame pas même ou bien pas même pour nous arriver dans divorce qu'on doit c'est fatigue qui cause ça par exemple soit prendre alcool ou par exemple là il s'est pensé oh avant me font petit bail mal pour alcool avant mal pour un petit bail avec madame moi mal pour alcool ou bien avec girlfriend moi ou bien avec ménage moi c'est pas vrai du tout alcool dépresse centrale nerveux système ou l'on prend alcool là on te laisse alfo puis mal faut pas quand mettre rien là caillou s'il vous plaît. Ça, il doit causer fatigue tout. Par exemple, soit prendre drogue, médicaments, tranquilliser, quoi, exemple de douleur, sédatif, valium, petit cocaïne, petit marijuana, ça, il doit causer fatigue parce que ça va dépresse centrale, nerveux système, ou nerveux, parce que si que partie, que je ne vais pas dire ça dans l'air, que pas assez de blood flow, là, dans la veine,
ou pas qu'à remettre madame moyen ou bien madame ou pas qu'à remettre moyen du tout. Tabac, mon cap fumé, parce que nous connaissons nicotine, son mal stimulant qui est lié. J'avais dit au monde cap fumé, s'il vous plaît, quittez fumé. Par exemple, quoi, je change mon jeune petit madame bien belle qui vient de côté moi, semaine ça, quand fumé, et puis tout en collab fait le mal, il est fatigué. Ça, qui doit causer fatigue, s'il vous plaît, quittez smoke. Non, parce que l'eau fumée, il est limité à monte oxygène dans le blood. Et ça, qui doit causer fatigue tout. Il y a énergie web. Il retire l'énergie là, car il fume. Il y a une autre, nicotine. Ça, il y a une cause. Par exemple, les gens qui ont trop de poids. Ça veut dire que les gens qui prennent des médicaments, ils sont en phétamine. Plutôt faire des naturels pour perdre du poids, pour prendre drogue. Parce que l'offre, ils sont habituellement habitués à elle. Pour qu'ils ne viennent pas carrer les là-dedans. Et ils ont pris trop de poids. Ça, il y a une cause de fatigue. En phétamine, pour perdre du poids. Les gens qui ont chanté au breast. Qui a respiré, qui n'a pas respiré bien, on connaît parfois l'organe chaudé au breast, qui doit son seul parti dans l'ongle, dans le poumon, qui a respiré. Ça, qui doit causer fatigue tout. Qui doit même bombarder les chroniques fatigue syndrome. À quand docteur, fait docteur checker, c'est la raison ça ne doit pas fumer. Ça fait toujours recommander le monde, toujours, l'enlever, toujours camper, prendre 10 breaths pendant 2, 3, 4 fois. Faites cet exercice très bon pour le poumon, pour ne pas fatiguer. Bonne circulation, bonne respiration. Par exemple, les gens qui sont au gauche, surtout quand il y a jeune titine, je savais n'en parler. Surtout quand il y a une nouvelle forme de yoga, tout le monde faut perdre du poids. Pas courir, perdre du poids trop longtemps, trop vite. Toujours perdre, pas perdre nos morts. Nos morts d'un 2 pounds par semaine. Parce qu'il faut réserver l'énergie la carreau. Si vous ne faites pas ça, la fort fatigue. La bonne fatigue la carreau. Surtout quand vous êtes jeune, vous êtes d'un côté, soit attendez ma soeur. Parce que vous avez besoin de mettre des nouveaux rats qui font paraître. Vous avez des rats. Si vous avez ça, vous avez droit à la bonne fatigue la carreau. Ça, c'est bien sérieux. Même si vous avez pris, c'est un bail qui est très important. Comment est-ce que vous avez belly stop. Ça, vous avez droit à la bonne partie. S'il vous plaît, pas chercher pour descendre pour trop vite. Je parle des poutines de jeu. Pour soumettre parce que son nouveau modèle qui font paraître par exemple des petits petits qui viennent côté moi maman l'oblige à voir le côté tout de suite et puis tu as tellement à chercher descendre pour tout de suite blood pressure descend so bas tellement bas ça tu as commencé à gagner dizziness ça tu dois créer un paquet de problèmes même bal coma s'il vous plaît même si on m'a pris ça très sévère pas perdre poids non mort pas plus de 2 pounds par semaine pour pas pour capable réserver énergie la carreau parce que vous faites énergie à sortir drain énergie à tout de suite la carreau ça a doit causer paquet de problèmes surtout teenager s'il vous plaît attendez ça m'a dit I'm sure those who speak English you should not wait you should not lose no more than 2 pounds per week parce que you need to reserve energy because you're going to drain all the energy if you are trying to lose excess weight too fast la carreau. I'm speaking more for these teenagers, our teenagers in the neighborhood, in the community. S'il vous plaît, don't try to lose too much weight one time. It's no good for your body. It's no good for you because you drain all your energy. You need to reserve it instead drain it completely out. Okay. Par exemple, local, surtout moon, surtout dans winter time. Par exemple, conseil de monde qui pèse au titre de yoga, ça vous fait les offrandes levées, ils ont levé côté non, et puis ils ont pensé que ils prennent soleil là bien. Et ça, ils ont causé un barrelé, SAD, saisonnel affectif disorder. Comment ils font un programme sur ça? Bah ça a été découvert en 1982. Il était même paraît dans Berkeley Wellness Letter. Parce que ça, ils ont abordé léthargie, ils ont abordé dépression. Parce que ça veut dire qu'il y a un lack of winter sunshine. Ça veut dire même si elle fait fret, vous supposez faire un petit sauté dehors, prendre un petit l'air et puis respirer. Mais prendre 10 breaths plusieurs fois et puis respirer dans l'air là pour capable gain énergie. Parce que ça, il doit causer fatigue, la caillou. Par exemple, diet. On parle de diet, ça c'est branche par non naturel. Par exemple, l'on ne peut pas manger complexe carbohydrate from food. Par exemple, vegetable, whole grain. Bah ça aussi énergie producteur ou besoin au foot vegetable ou besoin parce que pour capable bah quoi bon au contraire nous naturel nous bah mon yo garlic raisin oignon pour les que senti que yo t'aide
que vous sentez fatigue la caillou. S'il vous plaît, attendez, ça m'a dit. L'eau fat protéine, nous souvent toujours mettre mon ça en diète, l'eau fat protéine. Pour pas manger trop protéine la caillou. Parce que l'eau prend pas manger trop protéine qu'on a stimuler la production of mental energy, énergie chimique qui fait que énergie monte plus la caillou. Par exemple, carbohydrate from sweet, white flour, farine. Mon seul bagay, on pas fait pour manger bagay ça parce que ça a doit trigger, fait que blood pressure bas et gen doit cause autre aide la caillou. Par exemple, quand on dit au monde excessif fat, on pas fait pour manger trop fat. Parce que l'homme mange trop fat, ça gen doit causer que autre aide la caillou. Et il doit faire trois slow digestion, faut pas une bonne digestion, il y a des gens qui connaissent, ils disent fat pas bon pour viande, cochon, cabri, bœuf. Par exemple, le plus souvent les gens qui souffrent de fatigue, nous toujours recommandons les gens ça haut. Plutôt que yo réserver carbohydrate, par exemple pour fruit, vegetable, whole grain, réserver pour prendre le soir plutôt au lieu pour prendre la journée. Surtout les gens ça gagne l'eau. Glucose, nous toujours faisons ça au point 1 à 2 teaspoons glycérine, vegetable glycérine, la caillou, l'huile de glycérine, pour stimuler la glucose là, la caillou. Ça, c'est un autre programme à part pour nous parler d'avec pour nous. Iron deficiency, les gens qui ont assez de fait, les gens qui sont très anémiques. C'est la plus commune cause dans la fatigue de la personne, c'est l'eau anémique. Si tout ça me dit anémique, mean what? Tout à l'heure, quand ça veut dire ça, que chronique blood loss. Ou a perdu ça en côté, pas gen moun ki kon kote ou a perdu, parfois gen doit se nan menstruol, gen doit son fibroid, gen doit son cancer, gen doit se tout bagay. Ça, à quatre docteurs, fait docteur checker. Et pas ça te même paraît dans Avad Health Letter, dans March 91, que te dewe que fatigue causée par les moun gen anémique la kayo, ça fait du moun sous ce point naturel, très bon pour vous. Si vous parlez tende, ça son bagay qui, m'on connaît tout moun connaît, ça m'le dit. Potassium, bien content, tout le monde dans ça là. Félicitez-moi pour ça. Ça, c'est un bail qui, vraiment, parce que nous, comme petit chez nous, assez, pour nous comprendre, ça m'a dit non. Potassium, manger qui est potassium. Nous faisons un programme, m'explique qui vient de manger qui est potassium. Par exemple, abricot, banane, dry food, fruit qui séché. Fresh vegetable, green vegetable, tout bas, il y a potassium là, caillou. S'il vous plaît, prenez-le, il est bon pour vous, pour ne pas faire fatigue. Par exemple, les gens qui ont acide de café, pas bon pour vous, mais les gens qui ont fatigue, sous un petit cop café. No more than one, ou bien tout, et d'autres très bien avec fatigue, parce que son énergie booster, le café. Du vin, grapefruit, wine, raisin, bah, ils sont très bons, bouillis. Mon qui habitué avec nos conseils les bouillis, on prend un teaspoon de wheat jam avec un teaspoon de bouillis si brassé le font la bouillie on mange il est très bon pour vous. Cabbage, carotte, céleri, on met tout dans brassé font une sorte de jus, il est très bon pour vous pour avec fatigue là. S'il vous plaît, attendez, ça m'a dit. Par exemple, on besoin bon vitamines et minérales. Pour réparer déficiency problème ou gagnant aussi tout souffert anémique parce que quoi ça me douleur est déclaré que bah ça c'est main cause of fatigue à mon l'autre doit fatiguer à quatre docteurs fait docteur font un petit simple complete blood test pour voir que sous pas gain sous pas fait anémique sous pas perdre sang ma caillou parce que le perdre sang gain doit faire que on bat vite il doit avoir toute qualité problème. Par exemple quoi monde qui gain fatigue valemen a très bon pour mon ça. Bicomplexe très bon. Surtout, vitamin A, une forme de bêta-carotène, où on doit prendre 25 000 international units par jour. Il est très bon pour vous, pas pour rien. Vitamin B complexe. Et surtout, on est supposé prendre B12 à 4 docteurs, fait docteur vitamin B12, ou bien sublingual, ou bien AM, shot, parce que là, on prend AM shot, il est plus bon à assimiler, il est plus bon pour 9 jours. Les gens qui habitué à venir au roman, ça veut dire vitamin B12, ou très très important. Quel que soit mon nom, si vous avez un cas docteur, faites un biotip B12 shot. Il est bon pour 9 jours, pour stimuler 9 jours, pour muscle, pour l'air. Même quand on est passé au sanier à soi. Vitamin C,
très bon. On doit prendre de 3000 à 8000 mg en dévalé dose, très bon pour les gens qui font fatigue. Par exemple, minéral, on a besoin de calcium, près de 1500 mg de calcium par jour. Magnésium, tout, 750 mg magnésium par jour, recommandé pour prendre pour très bon pour fatigue là. Et surtout, les gens qui fatiguent, comme toujours, recommandé les gens ça. Leur fatigue, toujours mettre une glace de tomates avec céleri. On fait juste céleri avec tomates, juste, on prend. On prend une glace chaque semaine. Et ça, il doit en pile la fatigue. Et puis, les gens qui font fatigue, ils ont besoin de zinc, tout, parce que soit anémique, ou besoin de zinc, ou besoin de copper, ou besoin de vitamine D. Mais le clinique là, nous sommes contents. Puis, Mido. Exercice. Leur fatigue n'est pas faite pour faire trop d'exercices. Mais, si exercice, comme dit le monde, exercice, c'est pas vrai, il faut courir, il faut faire gouler, vigoubar, il faut faire exercice, ou marcher dans un bloc, en bloc, c'est exercice. Ou marcher dans l'escalier, ou descendre, c'est exercice. Ou marcher, ou à l'entrée, c'est exercice. Ou la carrière, ou lever, mais on lève, puis on lève, c'est exercice, s'il vous plaît. Petit exercice. Très important pour vous, leur fatigue. Et, il était même pas ça dans le journal Drogue Docteur.